Tu écris ceci. You can write this down. 47. Chapter 47. Et le chapitre de la saison. It is the chapter of the season. Il y a le préalable. There are requirements. Pour comprendre ma grande introduction de ce soir. In order to understand the introduction to my message tonight. La première des choses que tu dois retenir. Here's the first thing you need to remember. Jusqu'à ce que. Until. Ça va devenir os de tes os, chair de ta chair, esprit de ton esprit. These words will become bones of your bones, flesh of your flesh, and spirit of your spirit. Tu écris ceci. Please write this down. La réalité spirituelle. The spiritual reality. C'est la vraie réalité. Spiritual reality is true reality indeed. Parce que moi-même. Because I. Je suis une entité fondamentalement spirituelle. Because I am a spiritual entity first. Fundamentally speaking, I'm a spiritual entity first. Deux. Number two. What is of the spirit a plus de puissance has more power et de force and more strength et d'influence and more influence sur ce qui est matière. Over whatever is material. Ce qui est spirituel, what is spiritual plus de puissance, has more power de force, more strength et d'influence sur tout ce qui est matière. And more influence over any type of matter, anything that has any physical form. Tu peux voir quelqu'un avec un morceau de bois. You can see someone with a piece of wood attaché au cou, on his neck. Juste un morceau de bois. Just a piece of wood. Juste un morceau de bois. It's just a piece of wood. Tu croiras que c'est une petite chaînette. You think it's a normal keychain. Là au cou, on the neck. Symbolique. Only for a symbol. Mais ce morceau de bois, but that piece of wood on the neck a une influence, has an influence à cause de ce que l'esprit lui a doté. Because of what was transferred to it in the spirit. Le spirituel, the spiritual a de l'influence, has influence sur la matière. Over matter. Trois. Number three, the third thing you need to remember. Pour rentrer dans sa saison, in order to enter into one season, la quantité de l'illumination spirituelle est déterminante. The quantity of spiritual enlightenment is very important. La quantité de l'illumination. The quantity of spiritual enlightenment. Je vais illustrer cela. Let me show you. S'il vous plaît, regardez-moi. Please look at me. Voyez cette lumière. You see this light above me? Elle n'éclaire pas toute la salle. It doesn't brighten the whole place. D'accord? Do you see it? Si je veux être vu par tout le monde jusque là-bas à la porte, même partout là. If I want to be seen by everyone in this place, je dois être ici. I need to get closer to the light. OK? Do you understand? Et là, elle m'éclaire. And now I can shine, I can be seen. Mais elle va ni à gauche ni à droite. But this light doesn't go all over the place. Elle est juste focus sur moi. It only focused on me. Et ça s'arrête là. And it only stops here. Cette quantité de lumière. So this amount of light ne me permet pas. Doesn't allow me de faire beaucoup de choses parce que je serai coincé ici. To do too many things because I'll be stuck to this place only. Je peux pas sortir aller là-bas. I can't go to the other side. Elle me suivra pas. The light won't follow me that side. Je ne veux pas arriver là où tu es. I won't be where you are. Elle reste ici. The light will remain here. Mais pour que j'aie une grande influence, but in order to be influential, il faut une lumière qui éclaire toute la salle. There has to be a greater light. Et là, partout où je veux me mouvoir, and wherever I'll move,
Je serai vu. I'll be seen by everyone. Donc le degré, la quantité de l'illumination spirituelle est déterminante pour te faire rentrer dans ta saison. So the quantity of spiritual illumination is important in order for you to enter into your season. Il y a des gens, there are people, qui ont reçu juste la lumière sous forme d'une torche. Who have only received a small quantity of light. D'autres, others, c'est juste une lampe. Have only received the amount of a lamp. D'autres encore, c'est une bougie. Other people, maybe only a candle. L'illumination, enlightenment, l'éclairage qu'ils ont, the illumination they have, est limité. Is only limited. Ils peuvent pas aller loin. They can't go far ahead. Or, avec une lumière limitée, with a limited light, je dis bien, si la lumière, if the light, que tu prétends avoir, that you think you have, est réduite, if that light is limited, il te sera difficile de percer, de rentrer dans ta saison. It will be hard for you to break through and to enter into your season. Le danger, c'est quoi? Here's the trap. C'est malgré tout cela, in spite of all tu these te things, crois illuminé, you think you have the light, mais dans le monde spirituel, but in the spiritual realm, Dieu peut t'envoyer beaucoup d'éléments. God can send you many aspects, même des hommes spirituels, even spiritual people, même des anges, even angels, même le mouvement spirituel, even spiritual movements. Mais puisque ta lumière est réduite, but because your light is limited, tu ne sauras pas, you won't know, qu'il y a des éléments qui sont à côté de toi, that there are people that God has sent next to you. C'est ce qui fait que beaucoup de gens, that's why many people today, négligent les valeurs qu'on leur envoie, are taking for granted what God is sending on them. Te donne quelqu'un de bien, they send you a good person, tu le méprises, you undermine tu them, tu préfères coopérer avec quelqu'un qui ne représente rien, you want to work with someone who's useless. C'est que toi-même, it means that yourself, on te donne de toi, within you, tu n'es pas illuminé, you don't have the light, tu ne vois pas clair, you don't see clearly what God has sent to you at a specific time. Deuxième danger. The second trap we fall into. À chaque période de la vie, at every step of our lives, donc Dieu, God, a ordonné les choses, mes frères et sœurs. C'est là où tu vas comprendre quand la Bible dit Dieu est un Dieu d'ordre. God has set things in order. That's why God is a God of order. Il n'est pas un Dieu de temps. He's not a God of time. Il est le maître de temps. But he's the master of time itself. Mais il a créé le temps pour l'homme. But he has created time for man. Et dans chaque temps, and in each dans time, chaque jour, in every day, chaque semaine, in every week, chaque saison, in every season, il y a des choses que Dieu a déjà mis dans chaque jour, dans chaque heure. God has already set things up in every time period. Qui ne peuvent s'accomplir, they can only be fulfilled quand l'heure arrive, when the right time quand arrives, le temps sonne, when the time comes. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Before the time, nothing après will happen. L'heure, ce n'est plus l'heure. After the time, nothing will happen. Dieu attendra. God will wait. Comme dans le chronomètre. Like in a stopwatch. Le compte à rebours commence. The countdown begins. 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7. Avant cela, before that time, il ne peut rien faire. Nothing can happen. Il a créé quelque chose, he has created something, pour un but, for a purpose, et il a créé toute chose, and he has created all things, pour chaque saison, for each and every season. Psalm 102. Let's go to the book of Psalms, chapter 102. Ces choses m'ont beaucoup aidé. These teachings have helped me a lot. L'homme qui te parle dans la destruction des hôtels. The man speaking to you right now. Je crois qu'elles peuvent être aussi d'une grande importance à ce chapitre. And I believe these teachings can also help you a lot during this chapter of destroying altars. Psalms 102. Let's go to the book of Psalms, chapter 102. Psalms 102. Commençons d'abord au Ecclésiastes 3. On va revenir là-bas. Let's go to Ecclesiastes. Ecclésiastes 3, 1. The book of Ecclesiastes, chapter 3, verse 1. Lis attentivement. Read carefully. Concentre-toi. And remain focused when you're reading this verse. Peut-être. Maybe tu seras parmi ceux qui vont démarrer aujourd'hui. You might be among those who will really take off today. 3:1. Chapter 3, verse 1. Lis bien. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Autrement dit. In other words.
Toutes choses, everything, a son temps, has its time, de son accomplissement. A time for its fulfillment. Everything has its time for its fulfillment. Chaque chose, everything, a son époque, has its era, pour se réaliser, in order to come to fruition. Il a son mois, it has its own month, sa semaine, its week, son année, its year, sa période, its period, exécutoire, in order to be executed. C'est ce qu'Ecclésiaste veut dire. That's what the verse is saying. Il y a un temps, that there's a time. Autrement dit, il y a une saison, there's a season, alloué à chaque chose, assigned for everything. Il y a une saison, there's a season, pour chaque chose, for everything. That's what the Bible says. Psalm 102. Now we can go to the book of Psalms, chapter 102. Verset 13, verse 13, et 14, and 14. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps que nous venons de lire chez Ecclésiaste, hein? For the time. Car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Parce que maintenant, because now, c'est le temps, the time has come, que tu dois avoir pitié. For mercy. Tu n'as pas autre chose à faire. There's nothing else to parce do. Que maintenant là, because right now, si tu t'étais retenu hier, if you didn't do anything yesterday, si tu nous as laissé souffrir il y a 70 ans, if you let us suffer 70 years alors ago, qu'on souffrait à Babylone, while we were suffering in Babylon, maintenant là, right now Lord, le temps, the time, d'avoir pitié, to show favor, de nous restaurer, to restore de us, nous relever, to pick us up, le temps est arrivé à son terme. That time has come. Je veux aussi te dire, I also want to tell you, ton temps, your time, Dieu doit te restaurer, to be restored, te justifier, to be justified, te réhabiliter, to be restored, te stabiliser, to be made stable. Ce temps est arrivé à son terme. That time has ce come. Temps est arrivé à son terme. That time has come. Ce temps est arrivé. That time has come. That time has finally come for restoration. Commence au verset 12. From verse 12. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité. Tu n'as rien à voir avec le temps. You have nothing to do with time, God. Et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, c'est-à-dire, tu sortiras de l'éternité. You will arise from eternity, that's what it means. Tu vas rentrer dans le temps. You will enter into time. So when the Bible says you will arise, that means you will stand up from eternity and enter into time. Tu te lèveras. You will arise. Et tu auras pitié. And have mercy. Parce que toi-même tu sais. Because you know. Que tu avais annoncé par les prophètes. That you spoke to the prophets. Qu'à telle période là. At a certain period. 70 ans seront écoulés. 70 years will go past. Alors les abominations seront cessées. And then everything will stop. Et ce temps-là. And that time. Le voici. Here it is. Lève-toi. Stand up, Lord. Aie pitié. And show mercy. Car c'est le temps. Because that time has finally come. Show us mercy, Lord. Qu'Elohim ait pitié de toi. Let the Lord have mercy upon you. Car le temps est arrivé. Because the time has come. Qu'il te regarde. Let him look at et you. Qu'il te voit aussi. And let him see you also. Qu'il te relève. Let him pick you up. Car c'est le temps. Because the time has come. Et la Bible dit, ce temps est arrivé à son terme. And the Bible says that yes, the set time has come. Il faut pas que ça passe. Don't let that time pass you by. Il y a chaque chose, everything que Dieu a classé, that God has prepared, il a gardé dans une période bien précise. He has kept for you for a specific time and season. Avant ce temps, before that time, tu croiras qu'il ne voit pas. You think that he's not hearing you. Tu croiras qu'il n'entend pas. You think that he's not seeing you. Ta foi même peut être secouée. Sometimes your faith may even be shaken. Mais il attend. But God is waiting for the right season. He's waiting. Hallelujah. Praise God. Il a dit Abraham, he told Abraham,
Sache que tes descendants après toi, your descendants after you, iront en captivité, will go into captivity, 450 ans, for 450 years. Lui-même il a donné le terme, God gave the deadline, timing, he gave the deadline. Combien d'années ça prendra? He said how long it will take. Et après, he said afterwards, je viendrai, I will come down, je sortirai le peuple, I will take the people out. Il donne même des raisons, he even give the reasons. Pourquoi ils vont souffrir? Why would they suffer in Egypt? Parce que je dois arranger le problème des Amoréens ici. Because I need to take care of the problems of the Amorites. Je prépare le terrain. I'm preparing the field. Je nettoie. I'm cleansing. Dès que j'aurai fini, when I'm done cleaning up, je les sortirai de là. I will take the people out of slavery in Egypt. 100 ans. 100 years. 150 ans. 250 years. 200 ans. 200 years. 300 ans. 300 years later. Le peuple, les enfants de Jacob, the people of Jacob, ont cité tous les textes que leur père avait montrés quand ils parlaient avec Dieu. They were quoting every scripture that their father told them about. Zéro. Rien ne se passait. Nothing was happening in spite of all those prayers. L'Éternel, le Dieu de nos pères, the Lord of our fathers, Abraham, Isaac, et de Jacob, of Abraham, Isaac, and Jacob. Rien. When they were praying, nothing was happening. Et dès que le temps, and what's the time, d'avoir pitié de Sion, for mercy came, se sont accomplis, when that time came to il pass, va voir un garçon, he went to see someone, le buisson ardent, in the burning bush, il lui dit, and he told him, j'ai entendu le cri, I heard the cries, j'ai vu la souffrance, I saw the suffering, je suis descendu, and I have come down. Il faut jamais considérer, don't ever look, toutes les années, at every year, toutes les périodes, at every season, comme étant identique, as being identical. Non. Don't do that. No. Don't do that. No, 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 no. Don't do that. Not every season, not every period is the same. Il y a un temps, there's a time, pour chaque chose, for everything. Chaque chose, everything, a son temps, has its season. Il y a un temps, there's a time, de tomber malade, to get sick. Il y a aussi un temps, but non seulement pour la délivrance, but there's also a season for deliverance and healing. S'il y a un temps, if there's a time, de broyer du noir, to suffer, de vivre dans les ténèbres, to be in darkness, et la Bible dit, and the Bible says, le peuple qui était dans les ténèbres, the people that was once in darkness, vit soudainement la lumière, saw the light. Mais ça a pris combien de temps? But it took time, pour qu'ils vissent la lumière, for the people to see the light. It took a long time. Si la quantité, if the amount, de lumière, of light, qui est en toi, within you, est trop petite, is very small and limited, tu vas te compliquer les choses pour rien. Things will be more complicated for you. Pourquoi Dieu a un temps? Why does God have a time? De visitation. For visitation. Dieu ne peut pas te visiter. God cannot visit you. S'il n'y a pas un programme du diable. If there's no plan from the enemy. Pour te malmener. To take you down. Pour te flageller. To make you suffer. God only intervenes when the devil sends adversity. Et tu enverras l'illumination, and then you see the light, pour que tu comprennes ta saison, so that you may understand your season, et qu'il t'épargne des choses dangereuses qui t'attendent, so that he may spare you from the danger ahead of you. Luke, let's go to the book of Luke, and I'll make you understand that. Es-tu prêt à entrer dans la saison? Are you ready to enter into a new season? As-tu suffisamment de lumière pour entrer dans la saison? Do you have enough light to enter into a new season? Quand la saison arrive, when the season arrives, Dieu nous envoie des gens. God will send people to us. Laisse que Dieu t'envoie de bonnes personnes. May God send good people to you in this season. Laisse que Dieu approche de toi. May God send close to des you bonnes personnes. Good people. Sincères. Honest people. Honnêtes. Honest people. Fidèles. Faithful people. Loyal. People who are loyal. Les espèces des anges de l'Éternel. People who will be like angels of the Lord towards you. Car c'est le signe de ta saison. Because those things will be signs of a new season for you. Luc 19. Let's go to the book of Luke, chapter 19. Verse 41 à 44. All the way to verse 44. J'ai eu beaucoup de visions célestes.
I had many divine visions. Il annonce que pour la plupart d'entre nous, showing that for most of us in this place, ce chapitre ouvre la porte à la saison. This chapter will begin a new season. L'élément décisif, and the most important element, c'est la quantité de lumière, will be the amount of light that you are carrying. Si c'est une torche, if it's a on le verra. We'll see it. Mais si c'est une fournaise, but if it's a furnace, on le verra. We'll also see parce the que le chasse les ténèbres, because it will cast away darkness, le fait reculer, it will push away darkness, et élargit ton sphère d'influence, and it will extend your area. Le tout dépend de la quantité. It will extend your area of influence. Everything will depend on the amount of light that you are carrying within you. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Quand j'ai lu ce texte l'autre fois, when I read this scripture the last time, j'étais un peu attristé. I was very sad in my spirit. Et puis je commence à méditer. And then I started meditating. Je découvre que Jésus pleure dans la Bible deux fois. And I saw that Jesus only wept in the Bible twice. Au sujet de Lazare. When Lazarus died, that was the first time. Et ici. And here, when he went to Jerusalem. Comment cette histoire doit-elle faire pleurer mon maître? So, what made my master cry? Comment il peut pleurer? How can he cry? Sa tristé. How was he so sad? When he went into the city, what happened? C'est à cause de la saison. It was because of the season. Il s'est rendu compte, he saw que les gens étaient là, that people were there. Mais ils ne comprenaient rien. However, they didn't understand what was really happening. Qui peut les aider? Who could help them? À s'éloigner de la colère. Ils ne comprenaient rien. To get away from the anger of God. Le Seigneur dit, mais ça finira par venir. Jesus said, it will happen. Il pleurait à cause de ça. Jesus was weeping. He's like, if you know what's ahead of you, les personnes pour qui il pleure, the people he was crying for, ne comprennent rien. Did not understand anything of what was happening. They didn't know what Jesus was crying. Et pendant qu'il larmoyait, and while he was weeping, il parlait. He was speaking. He was talking. Si toi aussi, 42, au moins en ce jour qui t'est donné, oui, yes, ce jour-là, that day, était un don. Was a gift de Dieu from God himself pour Jérusalem. For Jerusalem, for the city of Jerusalem, it was a gift. Ce jour-ci, this day, est un don de Dieu, is a gift from God pour ta vie, for your life, pour ton basculement, for your shift. Ce jour-ci, this day, est différent des autres jours, is a completely different day from any other day from your life. Today is a different day. Si toi aussi, if you, en ce jour qui t'est donné, in this day, if you know, if you only knew, on t'a donné un jour. You were given a day. You were given a day as you're standing there. Il dit, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, j'ajoute, à ta délivrance, things for your deliverance, à ta percée, for your breakthrough, à ta réussite, for your success, à ta délivrance, for your deliverance. Il dit, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. But those things are hidden from your eyes. Voilà pourquoi Jésus pleure. That's why Jesus was weeping, because those things were hidden. Il viendra sur toi des jours où des ennemis t'environneront, des tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et les enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas sur toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il y a beaucoup de gens ici. There are many people here qui souffrent, who suffer, qui ont des problèmes compliqués, who have complicated issues, parce qu'à chaque visitation, because at every visitation, ils n'ont pas suffisamment d'illumination, they don't have enough light, pour comprendre c'est le moment de Dieu, to understand that the time of God has come for them. Ils écrivent, they write, mais ils sont complètement en dehors, but they are completely outside of what they're doing. Ils ne maîtrisent rien, they don't understand anything, mais ils viennent chaque jour, but they come to church every day. Tout est une question, it's all about the revelation, the revelation, pour comprendre, to understand quel est vraiment le temps de Dieu. What is, when is really the time of God for you? You need to have the right revelation.
Avant le temps, before the time comes, on peut tâtonner. You can wander around. Mais quand ce temps-là arrive, but when that time comes, Dieu dispose, God arranges il crée things. Des conditions. He makes arrangements. Il envoie des signes. He sends signs. Il annonce that announces ta saison. That your season is indeed arrived and come. Qui me comprend bien? Do you understand what I'm saying? S'il te plaît, qui me comprend bien? Do you really understand? Je veux pas que tu essayes de me comprendre. I don't want you to pretend to understand what I'm saying, but I want you to really and truly understand. Dans Psalm 102, in the book of Psalms 102, il est écrit, it's written, l'Éternel s'élèvera, the Lord will arise, tu te lèveras, he will arise, et tu auras pitié, and he will show favor de Sion. For Zion. Pourquoi? Why? La raison est que the reason is parce que le temps, because the time d'avoir pitié for mercy est arrivé. Has come. The time for mercy and favor has come. Et là, tu peux aussi comprendre, and you can also understand, que 99.99% des requêtes que le peuple faisait étaient des requêtes révélées et en accord avec les Écritures. That most of the prayers that people were doing back then were prayers that were revealed and going according to the Scriptures. C'était pas juste des prières. It wasn't normal prayers. Regardez même. Look closely. Pourquoi la terre a tremblé? Why was there an earthquake? Quand les disciples ont prié. When the disciples were praying together. Ils étaient devant une situation. They were in front of a situation. Menacés. They were threatened. Arrêtés. They were arrested. En prison. They were in prison. Tués. They were killed. Beaucoup de martyrs. Many people died during that era. Écoute leurs prières. But listen to their prayers. Seigneur, Lord, c'est toi qui as écrit par les prophètes. You spoke to the prophets. Et dans les psaumes. In the book of Psalms. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Why do the nations rage? Ils ont contextualisé les textes dans leur aujourd'hui. They updated the scriptures according to the situation. Regarde, les rois de la terre et les princes se sont ligués. The kings of the earth set themselves. Pour agir. In order to attack us. Contre ce que ta main avait déjà arrêté d'avance. Against what your anointed one said. Seigneur, vois leurs menaces. Lord, see the threats against us. Ils n'ont pas dit. They didn't complain. Protège-nous. They didn't say, Lord, protect us. Préserve-nous. Keep us from evil. No. No, they didn't say that. They quoted the scriptures. Je dis, Seigneur. They said, Lord, nous te prions. We are praying to you. Que ta puissance descende. Let your power come down. Et quand nous allons parler de toi, and when we speak about you, qui se crée des signes et des prodiges en ton nom, we want to see signs and wonders in your name. Quand Dieu a vu, when God saw that, que c'était le psaume 22, when he saw that his word was quoted, qui le présentait ce jour-là, which was presented to him, la Bible dit la terre trembla, and the Bible said there was an earthquake, tremblement de terre, there was an earthquake, 5 magnitudes sur l'échelle de Richter, that happened all over the city that day. Parce qu'en accord avec les Écritures. Because the prayer request was going according to the scriptures. David disait à Dieu. David was telling God. Dieu le met en garde. God was warning him. Attention David. Be careful David. Tu es sur la falaise. You are falling. Tu vas tomber. You are about to fall. Il dit non. He said no Lord. Moi je ne mourrai pas. I will not die God. Je vivrai. I will live. J'annoncerai les œuvres de l'Éternel. And I will talk about the works of the Lord. Pourquoi il dit ça? Why is he saying these things? Il fait référence à une autre écriture. He's quoting another scripture. C'est pour cela. This is why. Vous devez avoir la maîtrise de la parole de Dieu. You need to have a real understanding of the word. Et faire des prières en rapport avec les écritures. And your prayer request needs to be according to what the scriptures are saying. Il y a des gens qui prient eux-mêmes. Some people pray by themselves. Sans support. With no basis. Sans support de la parole de Dieu. With no basis of the scriptures whatsoever. Mais Dieu doit t'entendre dire. But God needs to hear you say. Seigneur. Lord. Sors de l'éternité. Leave eternity. Entre dans le temps. And enter into time. Car j'ai des signes. Because I have signs. Que c'est la saison de miséricorde. That it's the season of mercy and favor. Et quand Dieu regarde dans le rouleau, and when God looks at his book, effectivement, he says, yes, it's true. J'avais promis le salut. I promised salvation one day. J'avais promis la délivrance. I promised deliverance. Et je regarde l'heure. And I look at the time. Je dois lui accorder ça parce que c'est sa saison. Yeah, the season has come and I need to come down. Relis Psalm 102. Let's go back to the book of Psalms 102. Psalm 102. Psalms 102. Rasaka rasa dia kama karasa. Rasaka varakod.
L'homme de saison doit observer. The man of the season needs to observe. Les signes qui annoncent. The signs announcing. Que sa saison a déjà commencé. That the season has already come. Et n'est point sur le point de s'arrêter. And it do not stop. C'est une saison qui va durer. Because that season is everlasting. It doesn't end. Psalm 2. The book of Psalms, chapter 102. 12. Verse 12. Aujourd'hui, today, je vais couper les rubans. I will start something new. Annonçant solennellement, announcing officially, l'entrée en saison de certains parmi nous. The start of a new season for many of us in this place. Tu es là? Psalms 102, verse 12. 102, chapter 102, verset 8, c'est bon. Let's start from verse 8, please. Verse 8. Psalms 102. Ça, c'est le tableau avant la saison. So this is what happens before the season. Je n'ai plus de sommeil. Et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour, mes ennemis m'outragent. Et c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur. C'est-à-dire que si ton adversaire est fou de colère, so if your enemy is angry, il dit tout fia Silas yoko mona. Il faut qu'il insulte Silas. He needs to insult you. Il cite ton nom. He quotes your dans name. Dans la colère. In his anger. Pour montrer à ton adversaire. To show you. Qu'il veut écraser. That he wants to take you down. He sways at you. Ça c'est comme ça que tu vis. And many people live like that. Your enemy is cursing and insulting you every single day. Seigneur. Verse 10. Je mange la poussière au lieu de pain. Je mêle des larmes à ma boisson. À cause de ta colère et de ta fureur. Car tu m'as soulevé et j'étais au loin. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin. Et je me dessèche comme l'herbe. Dis, mais toi, éternel, tu règnes à perpétuité. Et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras et tu auras pitié. L'éternel se lève the Lord arises en ta faveur. On your behalf. De manière exceptionnelle, in a spectacular way, à ce chapitre, in this chapter, dis amen à haute voix. Can you say amen? Ce n'est plus possible. It is no longer possible. Qu'il continue à rester assis. To remain sitting. Qu'il reçoive la louange. To receive the praise. Des êtres célestes. Of the angels. Pendant que tu souffres. While you're suffering. Ce n'est plus possible. It is no longer possible. Qu'il continue à recevoir. For him to keep receiving. La fumée des séraphins. The essence of séraphins. Ce n'est plus possible. It's no longer possible. Il arrête tout. He stopped everything. Il dit arrêtez. He said stop. Stop the praise. Arrêtez. Stop everything you're doing. Stop. Il se lève. Now he arises. L'heure he says the time de la miséricorde of favor est arrivé. Has come. L'heure time de la justice of the justice est arrivé. Has come. L'heure the time de son intervention of his intervention est arrivé. Has arrived. The time has come. Cette heure-là, that time, la voici. Here it is. Ce moment-là, that moment, il est là. It is here. Cette année-là, that year, elle est ici. It is here. C'est 2024. It is 2024. C'est la saison. It is the season de miséricorde. Of mercy. C'est la saison. The season de triomphe. Of triumph. C'est la saison. The season de gloire. Of glory. C'est la saison. The season de justice. Of justice. Pour la nation. For the nation. Car because nous sommes le peuple. We are the people. Sur qui son nom est invoqué. His name is called upon. Il est debout. He arise. Il est debout. He's standing. Je l'ai vu debout. I saw him standing.
J'ai regardé. I looked. Je ne comprenais rien. And I didn't understand anything. J'étais émerveillé par la vision. I was stunned by the vision I saw. Il est debout. He's standing. Mon père est debout. My father is standing. L'heure de la vengeance a sonné. The time for vengeance has come. Mon maître s'est levé. My master has risen. Car il a dit, because he said, comment puis-je continuer à recevoir les honneurs? How can I keep receiving the honors? La gloire, the glory, des armées célestes, of the angels. Quand mon peuple souffre justement, when my people is suffering, how can I keep receiving the honors when my people are suffering? Arrêtez la musique. Stop the music. Déposez les sambuc. Put the things les down. Saltérions. Put the instruments guitar, down. Put the guitars les down. Put the cymbals down. Déposez-les à terre. Put everything down. Je dois corriger une injustice. I need to fix an injustice on earth. I'm coming down myself. I'm going down. Je dois régler quelque chose. I need to sort something out. C'est insupportable. That's unfair. Ce moment est arrivé. That time has come. Je dis à chacun d'entre nous d'être prêt. I'm telling all of you to be ready. Contre phénomène. Because of the things. Qui se passeront en ce lieu pendant ce chapitre. Because there'll be threatening things happening during this period. Je préviens. I'm warning you. Chaque homme, chaque femme. Every man and every woman. Chaque chrétien. Every Christian. Toute personne que tu amèneras. Any person you bring into this place. Sera surpris. Will be surprised. Étonné. And will be shocked. Car mon père est debout. Because my father has risen. And he will do wonders in your life. L'heure de la miséricorde, the time for mercy, est à son terme, has finally come. Et ce n'est plus possible. And it's no longer possible. Ça peut plus continuer comme ça. It can no longer go on like this. Ça peut plus continuer. It can no longer go on. Que l'illumination céleste. Let the divine illumination éclaire ton âme, come into your soul, esprit, into your spirit. Il illumine les yeux de ton cœur. Let it bring the light into your heart. Yeux de ton esprit, let the eyes of your spirit soit illuminé, be enlightened. Soit percé par la lumière. Be broken by the light of God right now. Afin que tu commences à voir, so that you may start seeing, le type d'ange, the type of angels, terrestre que Dieu envoie de côté, that God sends next to you, pour ta saison, for your season, de bonnes personnes, good people will come to you now. Je lève ma main devant le trône de la grâce. I lift my hands before the throne of grace. Que la tempête souffle. Let the storm come. Pour éloigner de chacun d'entre nous, to remove from all of us, des mauvaises personnes, evil people. Inutile, useless people, toxic et encombrant, toxic people. Éloignez-vous. Those people are going away from you right now. In Jesus' name. Dans ta famille, in your family, dans ta maison, in your home, dans ton couple, in your couple, dans ta carrière, in your career. Que la tempête souffle. Let the storm come. Pour chasser toute personne, to remove every person, toxic, that is toxic, encombrant, that has no use in your life. Karasati akamako. Parmi les amis, among the friends, et connaissances, and the people you know, la tempête souffle, the storm is coming, pour éloigner toute personne, toute personne. The storm is coming to remove every toxic and useless person in your life in this season.